Coucou tout le monde, on se retrouve pour faire des petites fleurs. Ouais. ouais, on est encore au mois de janvier, mais bon, j'avais envie de vous montrer comment faire des petites fleurs toutes simples. Toutes simples, toutes simples. Bon, pour cette fleur-là, j'étais inspirée d'un tampon que Amélie de la chaîne Créamélis avait reçu dans son calendrier de l'Avent. Voilà, j'ai cru qu'elle avait commandé, mais j'ai mal compris, forcément, hein. Je devais regarder le tampon, puis pas écouter ce qu'elle disait. Bref, c'est un tampon qu'elle a reçu dans son calendrier de l'Avent. Voilà, je vous mettrai la chaîne d'Amélie, bien sûr, en barre d'infos. Et puis, j'étais inspirée par ce tampon. Donc, à la base, c'est un tampon thème mer, avec un voilier et un beau soleil. Et nous, on va faire des fleurs. Voilà. Le tampon m'a bien inspiré. Donc, on va faire à l'aquarelle. Donc, on va mouiller d'abord notre papier pour mettre des couleurs dessus. Voilà. Alors, les fleurs, vous allez voir, on peut les faire avec beaucoup, beaucoup de médium. Voilà. L'acrylique, les crayons aquarellables, les crayons de couleur. La gel presse, enfin bref, plein de choses. Donc voilà, on va commencer par mouiller les couleurs. Alors ça, c'est une petite boîte de peinture Winston et Newton que j'ai eue avec mon fils. Donc on va mouiller des couleurs qui pètent. Hein. On va mettre du jaune. Voilà, on les met comme ça vient. Hein. Alors, dans la boîte, il y avait 2 et 2, 4 et 2, 6 et 2, 8 couleurs. Donc j'ai de la place à mettre d'autres godets si j'ai envie. Donc voilà, on va tester ça en même temps. On va mettre du rouge. Rince ton pinceau, Annie. C'est pas du rouge ça. Oh si, ça va. On va mélanger celui-là plutôt. Il est bien rouge. On va mettre des couleurs. Hein. Ça fait du bien. On va mettre celui-ci. Voilà. Je vais remettre du jaune par là. Histoire d'avoir quelque chose qui se voit sur mon papier. Hein, parce que l'aquarelle, c'est quand même une peinture, un médium transparent. Enfin, suivant la dose qu'on met, bien sûr. C'est plus ou moins transparent. Hein. Si on met de la pure, 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 c'est opaque, c'est voilà, couvrant. Si on en met plus, c'est bien couvrant, n'est-ce pas? Je ne me prends pas la tête, hein. J'en mets comme ça. Voilà. Je vais remettre un petit peu de rouge. Rouge, rouge. Rouge candium, je crois que c'est ça. Voilà. Donc, je vais sécher. Je vais laisser bien rentrer dans le papier d'abord. Voilà. Alors, j'en mettrai un petit peu là encore, ça serait bien. Hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, un petit peu de jaune pour que ça se mélange avec le rouge. Voilà. Pour faire du orange, n'est-ce pas? Que ce soit des petites fleurs un petit peu avec des nuances de couleurs. Voilà. Je pense que ça va aller. Alors, je vais sécher, donc je vais faire un peu de bruit, je m'excuse. Mais je n'ai pas le choix si je veux continuer. Alors là, c'est pas sec, j'interromps. Là, c'est pas sec. Vous pouvez rajouter du sel fin ou du gros sel pour faire des petites nuances dans la peinture. C'est sympa comme tout. Mais il faut laisser bien sécher et pas sécher au séchoir Higgen. Voilà. Ni au sèche-cheveux, ni rien du tout. Il faut laisser sécher naturellement pendant une nuit. Et vous avez de très très beaux reflets.
Voilà. C'est sec. Désolée pour le bruit. Hein. Je vais couper parce que je ne veux pas faire de montage. Ah, la fille. Je vais prendre un chiffon pour essuyer. Essuyer la plaque. Voilà. Donc, c'est simple. On va faire un soleil comme sur le tampon d'Amélie. Alors, pour ça, je vais prendre ces crayons-là. C'est les crayons que j'ai achetés sur Amazon. Voilà. Il y a 8 grosseurs de mine, du 0,1 au 0,8, plus un pinceau brush. Voilà. Donc, on va utiliser allez, le 3 et le 4. Parce que ils sont accrochés au bord. Et on va s'amuser. Donc, ça, c'est le 3. Donc, on va s'amuser à faire un escargot. Tout simple. Hein. Donc, un escargot, tout le monde sait faire. On a appris à l'école. Hein. Voilà. Comme ça. Voilà ce que ça donne. Ensuite, on va reprendre l'extrémité, là. Et on va refaire le contour de l'escargot, mais en faisant des petites vagues. Pas quelque chose de régulier. Voilà. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, eh ben, c'est un soleil sur le tampon. Donc, on va faire des traits. Je reproduis ce que j'ai vu. Hein. On va faire des traits tout autour. Vous ne vous souciez pas de la grandeur. Bien sûr, il ne faut pas prendre toute la feuille. Hein. Voilà. Un premier jet comme ceci. Après, on fait un jet plus grand. Voilà. Et on va aller entre les bâtonnets qu'on vient de faire. On va faire des petits bâtonnets. Enfin, des petits bâtonnets, des petits... comme des petits poils, si on veut aller par là. Voilà. Je vais vous montrer ce que ça donne. C'est tout simple comme tout. Je fais ça sans me prendre la tête. C'est vraiment tout simple. Voilà ce que ça donne. Ensuite, eh ben on va faire les pétales. Hein. Allez, c'est parti. Alors, on a fait des grands traits. Donc, on va prendre de chaque côté du trait et on va faire un pétale. Comme ceci. On tourne le papier pour être plus à l'aise. Hein. Et on continue. Voilà. On ne se tracasse pas de nos petits traits. On fait nos pétales tout autour. OK. Je continue, puis je vous montre. Hein. Voilà. Mais c'est vraiment tout simple. Hein. C'est dingue ça, juste en regardant un soleil, j'ai eu l'idée de faire une fleur. Et bon, je trouve ça super. L'imagination fait la création, voilà, tout simplement. Hein. On va dire ça comme ça. Bon là, j'aurais dû descendre un petit peu mon cœur de fleur. Bon, c'est pas grave, on va faire un plus petit. De toute façon, vous allez voir ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Ensuite, c'est pas fini. Hein. On va faire des petits pétales intermédiaires. Ouais, ouais. Des petites choses comme ça. N'essayez surtout pas de faire quelque chose de régulier. Voilà. Vous laissez votre crayon faire ce qu'il a envie de faire. Faut pas se prendre la tête. Surtout pas. Voilà. J'espère qu'on voit bien que je suis... C'est pas évident de montrer. Hein. Voilà.
Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. C'est pas fini. Non, non. C'est pas fini. On va faire comme si le pétale se roule un peu. Donc, on va prendre à la base. Et on va aller progressivement en diminuant notre trait sur le bord pour faire un pli. Comme ceci. Je ne sais pas si je suis bien en face. Je suis partie de la base et je suis remontée vers le haut du pétale. J'en fais un autre. Celui-ci. Je pars de la base. Et je vais rejoindre le bord du pétale. Voilà. Ensuite, on va faire un pétale qui se roule, mais de la pointe vers l'intérieur. Ok? Pas celle-là. Elle est trop pointue, celle-là, pour faire ça. Donc, je vais faire là. Hop, une petite vague comme ça. Et une petite vague comme ça. Ils sont un peu trop pointus, mes pétales, pour faire ça. On va l'arrondir un petit peu. Voilà. On va faire sur celui-ci qui est rond. Voilà. On voit mieux peut-être. Oula, je bouge la caméra. Je vous ai mis dans le pot à crayon. Hein. Voilà, j'espère qu'on voit bien. Donc, je vais faire un pétale là pour vous montrer exactement comment j'ai fait en gros. Voilà. Pour les pétales où je suis partie de la base du cœur de la fleur jusque là. Donc je vais redessiner un pétale. Pas le même, un autre. Voilà. Je suis partie de la base, de là. Et j'ai fait ça. Voilà. Pour le pétale retourné, la pointe retournée. Donc je refais un pétale. Un pétale plus rond parce que c'est plus joli pour une fleur avec un pétale la pointe retournée. Donc là je fais une petite vague comme ça. Hop, j'ai une notification et voilà, tout simplement. Et vous pouvez faire bien sûr des petites nervures à l'intérieur. Voilà, comme ceci. On s'en refait une autre. Ou alors non, je vais colorier pour vous montrer les nuances. Donc je vais prendre des crayons aquarellables. Voilà. Donc on va prendre, on va faire cette fleur là. Hein. On va prendre un espèce de violet fuchsia comme ça. On va prendre un orange rouge. Où est-ce qu'il est celui que j'aime bien? Celui-là. Il est un peu brique, il est pas mal. J'aime bien certaines couleurs, donc je vais peut-être plus utiliser celle-là. Et un rouge. Donc, là. Donc pour le centre de la fleur, on va prendre je vais prendre un jaune aussi. On va prendre un jaune d'abord, qu'on va passer sur le centre de la fleur, comme ça. Je me prends pas la tête, hein. Voilà. J'ai décidé de faire un côté plus ombré. Donc, je vais prendre un petit orange. Un brique un peu. Il est un peu brique. Je vais passer juste sur certaines zones. Voilà. Et puis, je vais mettre un petit peu de rouge au centre. Voilà. C'est fait. Comme je sens. Hein. Après, je vais prendre un pinceau à réservoir d'eau. Anis, il est là. Et puis, je vais faire fondre les couleurs entre elles. Voilà. Je vais rajouter un petit peu de marron plus soutenu. Plus soutenu pour faire le cœur de la fleur. Voilà. Oh non, ça c'est vert, ça c'est pas beau, c'est pas beau ça. Un marron comme ça. Je vais laisser sécher pour voir ce que ça donne. Parce qu'en séchant, ça s'éclaircit. Et on va s'occuper des pétales plutôt. Hein. Donc les pétales, je vais pas me casser le trognon. Hein. Voilà. Comme dirait Manu.
Je ne vais pas me casser le trognon. Manu, c'est une chaîne que je suis. C'est un artiste à lui tout seul, quoi. Il fait des choses magnifiques. Magnifique. C'est un aquarelliste. Il fait des choses magnifiques. J'aime beaucoup. Mais bon, moi, je me prends pas la tête du tout, hein. C'est vraiment... j'espère que vous voyez. Voilà, je colorie le centre de la fleur. Là où j'ai fait mes petits traits, juste à la base. Voilà. Et puis voilà, un petit peu de jaune sur la suite. Voilà. Je pose mes couleurs et puis après, je les fais se mélanger entre elles. Voilà, tout simplement. Alors, je le fais rapidement, là. Hein. Je m'applique plus d'habitude. Hein. Je vais vous dire franchement, je m'applique plus d'habitude. Je sais qu'avec mon pinceau, je vais aller jusqu'au bord. Donc là, forcément, la couleur va aller jusqu'au bord. Donc voilà. Là aussi, j'en ai oublié un. J'ai déjà une base jaune en peinture aquarelle. Donc, je n'ai pas besoin d'en rajouter des tonnes. Donc voilà, un petit coup d'eau. Là, j'ai pas mis de jaune non plus. Je veux faire vite et j'en oublie. Voilà. Vous voyez, je ne prends pas la tête. Je pose mes couleurs. Voilà, comme ceci. Ça doit être un moment de relaxation, n'est-ce pas? Après, je pars du rouge en allant vers le jaune. Voilà, comme ça. Hop. Vous voyez bien? Oui, ça va. Peut-être plus par là. Ouais, comme ça. Allez, on continue. Donc, je répète, je suis partie d'un tampon Studio Light qui représentait un soleil et j'ai imaginé une fleur. Voilà. J'ai fait ça en écoutant Amélie sur sa chaîne. Et puis voilà, j'ai commencé à dessiner sur mon cahier, il doit être par là, ouais, je vais vous montrer. Pendant que j'écoutais Amélie, je me suis amusée à dessiner ces fleurs. Comme on est devant le téléphone ou devant la télé, puis qu'on se met à gribouiller, quoi, hein. Où est-ce que c'est? C'est là, voilà. Voilà mon cahier. Donc, j'ai fait une fleur avec des pétales ronds. Parce que là, celle que je vous ai faite, c'est plutôt pointue. Là, c'est plutôt arrondi. Donc, on voit mieux le recourbement de... Vous voyez tout ce que j'ai écrit, mais c'est pas grave, vous le voyez à l'envers. On voit bien le recourbement des pétales. Voilà, je l'ai faite de profil. Voilà. Vous la voyez à l'envers, mais c'est volontairement, c'est pour que vous ne lisez pas ce que j'ai écrit. Voilà. Et puis là, c'est une deux profils, donc comme ceci. Et puis là, un petit peu, on va dire, un petit peu, je ne vais pas dire, mal formé, je veux dire. Voilà, mal formé. Pas équilibré tout autour. Donc, une fleur mal formée. Ça existe, hein? Ouais, ouais. Bon, allez, on continue. On continue. Donc, je disais, je prends le rouge, je le ramène vers le jaune, je touche un petit peu les pétales qui sont entre les grands pétales, les pétales cachés du dessous, pour leur donner un petit peu de relief. Ouais, j'espère qu'on voit bien. Hein? Voilà. C'est tout simple. Là, j'ai fait des pétales pointus, mais essayez en faisant des pétales arrondis comme j'ai fait. Au lieu de faire des pointes, vous faites des arrondis, c'est pas compliqué. C'est pas compliqué du tout. Donc, moi, c'est des crayons permanents, à encre permanente. Donc, ça ne se mélange pas avec la peinture. Hein. Vous pouvez prendre un tampon, forcément, mais le but du jeu, c'est de se relaxer en crayon. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne. J'espère qu'on voit bien. Voilà, j'ai colorisé le pétale aussi, là.
Donc là, je mets du jaune. Donc, je répète, c'est des crayons aquarellables. Un petit peu de rouge à la base. Voilà. Les pétales, on peut leur donner la forme qu'on veut. C'est à vous de faire travailler votre imagination. Donc, je tire mon rouge vers mon jaune. Je remonte vers le pétale jusqu'en haut. Voilà. J'aurais pu faire sur un fond blanc directement, hein, mais bon, ça rajoute une couleur, ça rajoute du relief, j'aime bien. Voilà. Donc, un petit peu de jaune peut-être là, légèrement, ou du rouge. Un petit peu de rouge, un petit coup de rouge. Voilà. Et on ramène vers le milieu, tout simplement. L'eau fait le travail, hein, avec l'aquarelle, je répète. L'eau fait le travail. Donc voilà. On se fait l'autre. Tout simple aussi. Donc là, je vais mettre. J'ai envie de changer un orange. Un orange comme ça, tiens. Ils ont besoin d'être taillés, mes crayons. Hein. Mais bon, je m'en sers quand même beaucoup. Et puis, je vais juste mettre du orange. Je vais rajouter des petites nervures un peu plus sur le repli. Du pétale, pardon. Voilà. J'ai juste mis sur la base. Hein. Vous essayez sur des petites chutes de papier aquarelle. Vous allez voir, c'est génial. C'est facile comme tout. Franchement, c'est facile. Donc, voilà. Voilà ce que ça donne. Bon, là, c'est mouillé. Je voulais rajouter des petites nervures, mais c'est mouillé. Je vais sécher un petit coup. Voilà. Où est-ce qu'il est parti le séchoir? Il est parti. On craque ailleurs. Voilà. Voilà. Donc voilà ce que ça donne une fois sec. Donc on peut faire des petites nervures. On va prendre un tout fin. Ben 0,3, hein, c'est le plus fin. Enfin, j'ai 0,1, 0,2, 0,3, jusque 0,8 et un brush. Donc, des petites nervures. Voilà. Voilà. Oh, c'est fait vite fait. Hein. C'est pas terrible, Annie. C'est pas terrible. Mais bon, vous voyez ce que ça donne, la fleur, en partant d'un escargot à la base qui était un soleil. Ah, c'est une histoire de fou. Donc, à la base, c'était un soleil sur le tampon d'Amélie. J'ai fait mon cœur de fleur en forme d'escargot parce que j'avais l'impression de voir ça. Voilà. Et puis ensuite, eh ben, j'ai fait mes pétales comme je le sentais. Voilà. À la base, il y a juste les traits comme ça. Pour le soleil. Donc, voilà, c'est tout simple. Hein. Tout simple, tout simple. Alors, on peut faire... Je vais laisser sécher un petit peu. Je vais revenir sur mon cœur de fleurs tout à l'heure. On peut faire des fleurs à l'acrylique. Donc, une fois détourée ma fleur, voilà ce que ça donne. Il faut que je vous montre quand même. Voilà. Donc, ça donne ça. Si c'est des pétales ronds, pas des pétales pointus. Voilà. Hein. Là, c'est pointu, un peu comme les tournesols. Là, c'est plutôt rond, comme les anémones, par exemple. Voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on peut faire à l'acrylique aussi, sur la gel presse. Voilà. Voilà ma fleur à l'acrylique. Elle est là. Et ma fleur à l'acrylique, je l'ai fait avec un ascenseur à cornichons. Voilà, j'ai posé sur ma peinture, j'ai appuyé et hop, ça m'a fait une jolie fleur. Donc voilà, on peut les faire au pinceau, à l'acrylique c'est plus délicat, mais bon, voilà ce que ça donne, une rose à l'acrylique, des petites fleuronnettes. J'ai fait ça vite fait, hein. C'est juste pour vous montrer qu'avec très peu de choses. Là, il y a deux couleurs, hein, une couleur rose et une couleur blanche. Je les ai travaillées en même temps pour faire des petites fleurs. Ah, j'aime bien ma rose.
Voilà, donc là, avec le pinceau aussi, mais on peut faire avec plein plein de choses des fleurs, hein, si vous avez envie que je vous montre comment je fais, c'est avec plaisir. Là, pour l'instant, j'étais inspirée du tampon d'Amélie, donc voilà, j'ai fait ça, j'ai fait cette petite fleur-là, comme ça ronde, et celle-ci, voilà. Voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a donné des idées, que ça vous a donné envie d'essayer. C'est tout simple, hein, un escargot, des petits traits tout autour à différentes hauteurs. Et après, on fait les pétales, soit ronds, soit pointus, c'est comme vous voulez. Et puis, c'est tout. Là, je ne peux pas revenir, c'est pas sec encore. Je voulais rajouter du blanc, pouf, du jaune. Voilà. Je ne sais pas si ça va. Parce que c'est encore humide, puis je veux pas que ce soit humide. Bah ouais. Voilà. Et puis, on peut faire des petits points en crayon gel blanc, par exemple, dessus. Je sais pas si j'en ai un là qui écrit. Voilà. On peut faire des petits points au crayon gel blanc. Voilà. Comme ceci. Pour donner du relief ou de la lumière. Hein, voilà, voilà, tout simple. Bon, j'espère que ça vous a plu. Vous me direz en commentaire. Voilà, sur ce, je vous laisse. Je vous fais de gros bisous. Puis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye.